Bonjour à tous, c'est Envivius et on se retrouve pour une petite vidéo bouche-trou avant la vidéo, comme vous le savez, SWTOR en 2022, etc., qui va faire un maximum de vues. Et étant donné que l'actualité SWTOR est relativement creuse, mais qu'on a quelques news, et du coup, je voulais faire une vidéo là-dessus, donc en partant des posts les plus vieux. Donc avec les événements SWTOR de décembre, donc on est vraiment en plein dedans. Donc on a eu l'event pirate, incursion pirate dans Twin, mais qui est fini. Et là on est vraiment dans l'event jour de vie, donc 14 décembre, 11 janvier. Donc il y a bien sûr le vendeur du jour de vie à côté du marché galactique. Donc allez dans la section marché galactique sur la flotte de la République ou de l'Empire et vous pourrez trouver le vendeur. Avec les boules de neige, le fameux speeder qui vaut 100 paquets de boules de neige, etc. Vous pouvez faire vos succès, vous pouvez aussi acheter le petit Jawa qui permet d'avoir le succès PVP, bref. Il y a aussi plein de décorations vendeurs dans la section forteresse. Et du coup, voilà, donc c'est un petit peu comme d'habitude. Donc voilà, il nous parle de l'offre spéciale pour notre 10e anniversaire. Et donc, on nous dit qu'il y a des nouvelles décorations de forteresses pour les vaisseaux de classe. Et les forteresses de Coruscant et de Drumunkas sont disponibles pour seulement 10 crédits chacune. Donc, ces forteresses elles coûtent normalement 5000 crédits. Donc, si jamais vous ne les avez pas, je vous invite à les acheter maintenant. Et bien sûr, on a l'event double XP. Donc, on est le 22 décembre au moment où je fais cette vidéo. Et l'event double XP commence le 20 décembre et termine le 4 janvier. Donc c'est aussi un event double XP de renommée. Donc c'est-à-dire si vous voulez monter vos rangs de renommée, bah, tout simplement vous avez l'occasion avec cet événement. Et à partir du 28 décembre jusqu'au 4 janvier, on aura l'event chasse à la prime. Donc ça change pas. Donc on a eu une nouvelle news le 17 décembre qui m'a personnellement un petit peu étonné. Donc pour moi, c'est clairement un moyen de faire patienter les gens avant la 7.0 en fait, parce que la 7.0 a été décalée de 2 mois comme vous le savez. Les développeurs de SWTOR nous proposent de jouer sur le serveur public de test, donc le SPT ou le PTS en anglais. En jouant sur le PTS, on peut avoir des rewards, hein, des récompenses. Donc se connecter au serveur public de test va nous donner le titre prendre les devants. Terminer une histoire de classe sur le serveur public va nous donner le titre la première ligne défensive. Terminer tout le contenu narratif de l'extension, titre avant-gardiste. Donc vous allez dire, ouais, mais en VVU, ça veut dire quoi tout le contenu narratif de l'extension? Donc ça, c'est une erreur de traduction parce que si on met la page en anglais, complete all expansion story content. Donc ça, j'imagine que ça inclut Rise of the Hutt Cartel, Shadow of Revan, KOTFE, Knight of the Eternal Throne. Et Onslaught, donc les 6 extensions, quoi. Donc ça veut dire que, enfin, rien que faire une histoire de classe, ça prend aller entre 12 et 15 heures, et faire tout le contenu histoire. Alors, je sais pas, ça se compte en combien d'heures ça, mais Makeb c'est un peu long. Shadow of Revan, faire tout Rishi, faire tout Zeost, etc., c'est long. KOTFE, il y a 16 chapitres. Knight of the Eternal Throne, il y a 9 chapitres qui sont longs, qui durent peut-être 1 h 30 chacun. Ouais, en tout cas, il y en a peut-être en tout pour faire ces deux trucs-là pour au moins 50 à 60 heures de jeu. Voilà, juste pour avoir ces deux succès. Ensuite, on nous propose aussi d'atteindre l'item rating 322 avec un de nos personnages et de faire la mission PVP héroïque et Flashpoint. Donc, Flashpoint, c'est ZL. En version hebdomadaire, et ça va nous permettre d'avoir le titre spécialiste de brigade d'intervention, le titre commandant de brigade d'intervention et la monture en bois MK85 de Kaiziken. Et si on termine tous les succès au-dessus, on a tout simplement le titre héros de brigade d'intervention et une nouvelle holomonture en bois. Donc ces récompenses seront distribuées au moment où la 7.0 va se lancer, c'est-à-dire le 15 février 2022. On nous a informé dans ce post également qu'il y avait la deuxième saison galactique et la rotation de l'outil de recherche d'activité qui était disponible était stable sur le PTS. Est-ce que personnellement je vais m'amuser à passer 100 heures sur le serveur public de test pour obtenir un titre?
Non, je crois pas. Je pense que j'ai mieux à faire et peut-être que en ces périodes de fête, vous avez également mieux à faire. Mais si jamais ça vous intéresse d'avoir des récompenses et des goodies, si je puis me permettre, qui sont assez exclusives, et bah tout simplement vous avez ça sur le serveur public de test. Donc voilà un peu la tronche de la Hollowmount, qui est plutôt sympa, hein. Pour le 10e anniversaire, on a eu un petit message alors du dev qui s'appelle, comment il s'appelle? Il s'appelle Kate Kaneg. Donc je crois que c'est le mec un peu vieux qu'on a vu dans le live stream de Swotor avec, avec les cheveux blancs et une moustache qui ressemble un peu à un grand-père. Je crois que c'est lui. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc voilà, nous avons lancé le jeu le 20 décembre 2021, etc. Donc en étant donné qu'il va y avoir sur Swotor le 10e anniversaire, on va avoir un charme d'armes dans Apex Legends. Donc voilà à quoi ça va ressembler. En gros, on est sur le Twitter d'Apex Legends. Et on va avoir ce petit badge. Donc j'imagine que les joueurs qui jouent aux deux licences vont être ravis hein, d'avoir ce petit badge sur leurs armes. Donc il va aussi y avoir un comics, j'imagine. Donc Star Wars Insider January, numéro 207. Donc spécial édition Malgus. Donc. C'est ce truc-là dont on voit l'affiche. Donc voilà, ils nous parlent du Live Day. Ils nous disent que l'event anniversaire va durer un an. Hein, c'est énorme. Donc du 14 décembre 2021 jusqu'à janvier 2023. Donc, les infos nouvelles, c'est ceci, donc les Cartel Market Sales. Donc au moment où je tourne cette vidéo, il y a des promotions. Donc seasonal items will be available. Des items saisonniers hein, comme l'armure du jour de vie, etc. Je pense qu'ils sont dispo dans le cartel et ça coûte 75% moins cher de débloquer des armures dans les collections. Donc c'est plutôt intéressant si vous avez, voilà, je sais pas, vous voulez débloquer l'armure de Satil Shan pour vos collections, et eh bien tout simplement ça coûte moins cher pour le débloquer pour tous vos persos au lieu de 400 pièces du cartel. Ça va en coûter normalement seulement 100 si je dis pas de bêtises. Donc toutes les armures pendant une semaine sont 50% moins chers et 50% les slots de caractère, donc les emplacements de personnages, sont également 50% moins chers. Et toutes les montures et toutes les décorations de forteresse sont 50% moins chères. Également, il nous parle de l'event Fête de la Prospérité qui va revenir un petit peu random. Donc, il nous parle du contenu que l'on va avoir. Donc, l'opération Anomalie R4, dont j'avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, la Daily Rhea sur Manan, j'avais déjà, Elom, la nouvelle zone litigieuse. Et donc moi, la phrase qui m'avait un peu intrigué, c'était ça: We also have some exciting updates coming to PvP after 7.0. Mais malheureusement, on n'a pas plus d'infos. Je pense qu'on n'aura pas d'infos sur le PVP avant la 7.1. Donc, il nous parle de la modernisation. Donc, il nous faut un petit schéma. En gros, il y avait Chevalier Jedi qui pouvait seulement avoir Jedi Gardien et Jedi Sentinelle. Et maintenant, le Jedi Knight, il peut avoir tous les styles de combat. Bon, ça, je pense qu'on en a pas mal parlé aussi des styles de combat. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus et du coup bon voilà, je pense que c'est quelque chose qui est destiné à tous ceux qui reviennent sur le jeu et qui n'étaient pas au courant. Est-ce qu'on va avoir des transferts de personnages moins chers? Alors pour l'instant non, nous dit Jackie, mais c'est une requête sur sa liste. Donc peut-être qu'un jour on va avoir pour avant le lancement de la 7.0 des transferts de personnages pour 90 pièces du cartel. Ce qui n'est pas cher du tout. Et donc pour terminer cette petite vidéo, je vais vous montrer quelques rewards de la saison 2 Galactique, de Galactic Season. Donc voilà la tronche du nouveau pet. Donc qui est un peu plus sympa quand même que le pet précédent qui était, on va pas se mentir, assez dégueulasse. Donc voilà les montures qu'on va avoir. Deux montures un petit peu. Bah, pas très très joli, on va dire. Donc, cette grosse bestiole, un speeder. Une deuxième grosse bestiole, mais de couleurs différentes. Et la même monture, mais de couleurs différentes. Waouh! Donc, ça c'est sympa. On va avoir des décorations qui sont très sympas. Donc, au niveau 5, on va avoir cette déco. Donc, Black Sun, c'est le soleil noir. Hein. Donc, on va avoir en x10, qui seront seulement dispo pour les joueurs abonnés. Donc, ça ce sera pour les joueurs free to play également. Au niveau 60, on va avoir
10 trucs comme ça, donc 10 petites tables. Et au niveau 84, on va avoir 10 terminaux de déguisement. Donc ces deux récompenses sont destinées aux joueurs abonnés. Et donc bah voilà, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien les. Je pense que ces décos vont rendre pas mal. On va avoir aussi des nouvelles personnalisations pour le pet, des titres, ainsi que des labels de Stronghold. Donc des titres qui vont être héritage, donc Syndicate Agent, donc agent syndicat, et Underworld Boss, boss du souterrain entre guillemets. Donc les armures, on va avoir celle-là, donc Shadow Initiate Armor. Personnellement, je trouve qu'ils sont un peu améliorés sur les armures. Hein. On peut voir que le torse a l'air vraiment assez qualitatif et qui ressemble un petit peu au torse de The Mandalorian. J'imagine que ça passera plutôt bien sur un peu spécialiste ou mandalorien ou mercenaire quoi. Et on va avoir une deuxième armure un peu dans le même style, mais moins classe, je trouve. Hein. Ça fait un peu plus chercheur de ferraille, donc ça s'appelle Shadow Enforcer. Armor set, bon voilà un peu à la tronche du truc. Donc ensuite les customisations, qu'on voit qu'on peut avoir des customisations pour Master Ranos et pour Dark Exit également, et également les armes comme vous le voyez qui sont plutôt sympathiques. Hein. On a un canon de commando, des blasters. Donc comme on le voit, le cristal va influencer le blaster, et du coup c'est plutôt très sympa, comme on le voit à gauche en violet et à droite en vert. Donc ils sont quand même pas mal améliorés hein, sur le Battle Pass comparé à la saison précédente. Donc on le voit, les récompenses sont quand même plus sympas, comme avec le sabre Twilight ici. Bon, voilà, c'est celui-là aussi, le Shadow Lightsaber, qui est plutôt cool, et le Nightfall qui a un design un peu similaire au sabre laser de Kylo Ren.